بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحابته أجمعين. Pourquoi le hal et comment cela s'est-il produit en quelque sorte, même depuis le départ? Bon, il est certain que d'une façon générale, le soufisme, c'est la voie du cœur et que donc, c'est la vie du cœur qui est centrale et que en quelque sorte c'est le cœur qui chemine, et pour qu'il chemine il faut qu'il s'éveille, il faut qu'il justement soit touché. Comme quelqu'un qui un jour je l'ai vu venir voir le maître, c'était Hamza, et lui dire: Sidi, je voudrais que tu me guérisses mon cœur. Et Sidi Hamza lui a dit: pour que je te guérisse il faut que je te blesse tout d'abord. C'est-à-dire, il faut être touché. C'est la spécificité, donc, du soufisme, que tout se passe à partir de cette vie du cœur. Et tout s'organise à partir de cette vie du cœur. Même les pratiques extérieures, même la mise en place. Et donc, depuis longtemps déjà, ça a été le point le plus essentiel. Si bien que pour pouvoir avoir cette possibilité de toucher un cœur, il faut déjà avoir soi-même un cœur éveillé, un cœur aimanté, en quelque sorte. L'jadibia, c'est-à-dire l'aimantation du cœur. C'est le sens d'ailleurs de l'orientation spirituelle qui s'établit entre le cœur du disciple et le cœur du guide spirituel. Elle s'établit dans une sorte d'aimantation. Alors, au départ, on cherche un peu à s'orienter, on cherche à dépasser un peu les difficultés mentales, de l'orientation, jusqu'au moment où on se sent happé, jusqu'au moment où on sent que le courant, en quelque sorte, est établi, et que l'on est aimanté, que l'on est attiré vers ce cœur, en réalité, qui est sans limite, parce que quand on dit cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses, et en fonction des degrés vers lesquels on va. On va vers l'intériorité, on va vers, de plus en plus, lorsqu'on va vers le cœur du Arif, c'est-à-dire le cœur du connaissant de Dieu, on va vers un océan sans limite. Comme le dit un hadith Qudsi, il dit: ni mon ciel, ni ma terre n'est assez vaste pour me porter, Dieu parlant, mais je suis tout entier porté dans le cœur de celui qui m'aime, n'est-ce pas? Ou dans le cœur de mon serviteur. Et lorsqu'on parle ici du cœur du serviteur, c'est le serviteur accompli, celui qui s'est entièrement abandonné à cet océan divin, entièrement anéanti dans cet océan divin, celui qui n'existe plus que par son Seigneur, qui n'a plus d'existence par lui-même. Et c'est justement ce qui est le cas pour le Arif, pour le connaissant de Dieu, qui en réalité n'a plus d'existence par lui-même, il n'existe plus que par son Seigneur. Comme le dit là aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, célèbre, qui dit: si je l'aime en parlant, Dieu parlant de son serviteur, je deviens l'œil par lequel il regarde, l'oreille par laquelle il entend, la main par laquelle il prend et le pied sur lequel il marche. Il devient en quelque sorte l'instrument de la providence divine. Il n'est plus qu'un lien tangible, visible, entre cet océan divin et nous-mêmes. Il est une porte. Et une porte aimantée, en quelque sorte. Et c'est pour cela, dès lors qu'on parle de ces questions du cœur, on est de plus en plus dans un domaine où il n'est plus possible d'agir par soi-même. Je peux avoir une influence sur quelqu'un par
mes paroles, par mon attitude, par un certain nombre de choses. Mais dès lors que cette influence se fait plus subtile, plus profonde, et qu'elle doit toucher non pas les aspects extérieurs, mais doit toucher le cœur de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire son lieu le plus profond, eh bien, à ce moment-là, je ne peux plus opérer que par un moyen qui est justement le sirr, le secret divin. Et alors, donc bien sûr, en réalité, c'est quelque chose d'autre qui agit, car toucher le cœur de quelqu'un d'autre n'est pas du ressort d'une volonté individuelle, personnelle de quelqu'un. Elle est de l'ordre de cet impact ou cette influence divine qu'on appelle le sirr. Dans une des qasidas que nous chantons, de Sidi Boumdjian El-Raout, que j'évoquais hier, il y fait référence un petit peu justement à ce hal et à la difficulté de le comprendre. Parce qu'enfin, on finit, nous, par s'y habituer plus ou moins, bien que chaque fois l'écrit vienne nous rappeler à nouveau à quelque chose, parce qu'on s'habitue jamais, sauf justement à dormir et à oublier. Mais Sidi Boumdjian El-Raout, dans cette qasida, faisait déjà référence à cette vie des soufis et à cette vie du hal et à cette difficulté à ce que tout cela soit compris à l'extérieur. Et dans toute une qasida, il dit: Alam tara at-tayra al-muqaffaza ya fata idha tadhakkara al-awtan hanna ila al-maghna. Ne vois-tu pas l'oiseau en cage, ô jeune homme, lorsqu'il se rappelle sa patrie, il se met à chanter. كذلك أرواح العاشقين يا فتى تهززها الأشواق للعالم الأسنى. Ainsi en est-il des âmes, des amoureux, ô jeune homme, les désirs les portent vers le monde céleste, vers le monde spirituel. Et donc tout cette qasida, dans plusieurs de ses vers, font référence à justement qu'est-ce que c'est que ce qui vient, ce cri du cœur, et le hal peut se manifester sous des formes multiples, vient justement de cette mémoire spirituelle, de ces jets spirituels, de cette lumière spirituelle qui de temps en temps nous touche dans notre cœur et nous amène à nous rappeler en quelque sorte. Nous sommes un petit peu dans cette espèce de cage de notre conscience, dans l'obscurité de notre conscience, et de temps en temps, comme des filets de lumière passent et nous font rappeler. Rappeler ce monde céleste, ce monde spirituel, qui est notre véritable patrie, et qui est la patrie de notre liberté, comme pour l'oiseau, n'est-ce pas? Donc, qui nous rappelle à cette réalité, que nous oublions d'habitude, parce que, évidemment, encore une fois, nous pouvons tout à fait nous habituer à une cage et à penser que le monde est une cage, et penser qu'il n'y a rien d'autre que cela. Mais de temps en temps, s'il y a quelque chose qui se passe, et c'est pour ça qu'il y a, d'un seul coup, dans les assemblées des soufis, d'un seul coup, on commence à être conscient de l'existence, de la proximité de ce monde, de la spiritualité qui n'est pas si loin, qui est dans une très grande proximité et qui n'est pas si loin, et que pourtant nous ne voyons pas habituellement. Alors, on fait un peu comme ce que les soufis ont souvent symbolisé par ces assemblées où on boit du vin, on s'enivre, et peut-être que dans la vie de tous les jours, on oublie qu'on s'est enivré, n'est-ce pas? On ne garde que quelques souvenirs de cela jusqu'à ce qu'on y revienne. Cette ivresse, en réalité, cette façon qu'a le cœur d'être touché par
par des états spirituels. Et comme je le disais hier, ces incursions, cette façon d'être touché, peuvent provoquer le hal. C'est comme un peu des jets de lumière, mais ce sont des états. Et les états est quelque chose qui passe, qui nous traverse en quelque sorte. Et que certains états finissent par rentrer à l'intérieur du cœur. Et à ce moment-là, ils constituent des maqams, n'est-ce pas? C'est-à-dire des degrés, des choses qui deviennent, font partie de notre être. Donc, c'est vrai que d'une certaine façon, vivre consciemment cette recherche spirituelle, vivre ces états spirituels est quelque chose de tout à fait inhabituel et pourtant de, on ne peut plus naturel. Parce que c'est ça la véritable liberté de l'homme, c'est ça la véritable, le véritable état, la véritable nature, qui est notre nature profonde et que nous recherchons et qui s'exprime un petit peu à travers tous ces états. Vous savez, quand le maître de notre maître Sidi Boumediene était en recherche, lorsqu'il recherchait un maître spirituel, comme je vous le disais, à cette époque-là, il n'y avait pas de maître spirituel manifeste, quelqu'un qui était connu comme un initiateur. Et donc, il cherchait partout. Il essayait de trouver quelqu'un qui puisse le guider. Il a beaucoup voyagé et c'était venu à la suite de l'habitude qu'il avait prise de s'asseoir avec une autre tariqa que la sienne, parce qu'il était déjà dans une tariqa, mais une tariqa dans laquelle il n'y avait pas de maître vivant. Il n'y avait pas d'enseignement vivant. C'est une tariqa qu'il héritait de ses, dont il était lui-même l'héritier. Et il s'asseyait avec des personnes d'une autre tariqa, qui étaient des personnes qui n'étaient pas du tout des personnes d'une grande instruction, d'une grande érudition, mais ils se rendaient compte qu'ils étaient beaucoup plus proches des réalités du cœur qu'il ne l'était lui-même. Par des mots simples, par des conversations simples, il comprenait qu'il y avait une éducation du cœur. Mais il avait aussi vite compris que c'était un chemin. Et que pour poursuivre ce chemin jusqu'au bout, il lui fallait quelqu'un qui l'ait lui-même expérimenté jusqu'au bout. Et donc, il s'est mis à la recherche de maîtres spirituels. Il a beaucoup voyagé, il a rencontré beaucoup de personnes. Et je vous ai raconté l'histoire un peu extraordinaire de que pendant 18 ans où il a cherché, il a fini par découvrir que le maître qui devait être un de ses principaux maîtres était son voisin. Il était son voisin et il disait, j'aurais pensé à tout le monde, sauf à lui. C'est le dernier auquel j'aurais pensé à demander un conseil spirituel, parce qu'il avait une réputation exécrable, et qu'il était une sorte de bouffon, il racontait beaucoup d'histoires drôles, il était tout à fait, il avait l'air d'être absolument pas une personne de grande spiritualité. Et donc pendant 18 ans, il a cherché pour finalement avoir des indications et rencontrer ce maître, qui était un maître caché, comme beaucoup de certains guides qui ne n'enseignent pas d'une façon manifeste, mais que par des chemins providentiels, on arrive à rencontrer, si tel est le destin de ceux qui sont en recherche. Et donc, qui est devenu son maître spirituel et qui l'a enseigné pendant quelques années. Et qui l'a amené à un haut degré, à un très haut degré de connaissance. Et ensuite, Sidi Boumediene a continué. D'ailleurs, ce maître lui a annoncé un jour qu'il devait partir. Et il lui a dit que Dieu lui enverra quelqu'un d'autre pour continuer sa recherche. Et il avait continué à rencontrer plusieurs maîtres. Et chose assez extraordinaire concernant le hal, c'est que bien avant que Sidi Boumediene ne devienne lui-même maître, et alors qu'il était vraiment à ce balbutiement dans la recherche, il avait rencontré une personne qu'il considérait lui-même comme un saint, et il lui avait raconté une vision qu'il avait vue le soir, dans laquelle il y avait ce verset coranique qui lui était révélé, où Rabbi
C'était un verset qui est révélé à Salomon, où il dit, donne-moi une royauté que tu ne donneras à personne. Et il avait raconté ça à cette personne. Et cette personne lui dit, alors comment toi tu interprètes ce rêve? Donc, il se met à lui à interpréter le rêve tel qu'il lui le pensait que c'était l'interprétation. Et cette personne lui dit, non, je ne pense pas que ce soit ça. Ah, il lui a dit, ah bon, alors qu'est-ce que c'est? Il lui a dit, dans beaucoup d'années, tu seras amené à enseigner, à communiquer une voie spirituelle, et dans cette voie apparaîtra un hal un peu spécial. Et si vous me dites, n'en revenez pas, parce qu'il ne voyait vraiment pas quelle relation ça pouvait avoir avec la vision qu'il avait eue. Il pensait qu'il allait lui interpréter la vision, il dit ça veut dire ça, ça veut dire ça. Mais ça lui restait en tête tout le temps. Et ensuite, effectivement, bien longtemps après, il avait rencontré plusieurs maîtres, dont un maître de Fès, qui était Sidi Mohamed Lhlou, et qui était chef de la corporation des tanneurs de Fès, et qui lui aussi n'était pas connu du tout comme un maître spirituel chez tout le monde. Il n'était connu que par un tout petit cercle de gens. Et il est allé le voir et il a pris un dhikr chez ce maître-là, dont on raconte des choses très extraordinaires. J'ai connu moi-même à Fès des gens qui l'ont connu, des gens qui l'ont connu, des gens qui, bien sûr, sont très âgés et qui, on se disait, on savait que autour de cet homme, il y avait des choses assez exceptionnelles, une vie assez exceptionnelle. Enfin, j'aurai l'occasion peut-être de vous en parler, mais c'était un homme autour duquel il se produisait beaucoup de choses. Et il avait enseigné donc Sidi Boumdiane, il lui avait donné un dhikr. Effectivement, bien des années après, lorsque Sidi Boumdiane avait reçu l'autorisation de transmettre la voie, spirituelle, il commençait à apparaître des hal comme ça. Lui-même n'avait pas ce hal. Mais quand il commençait à apparaître, alors de temps en temps, il entendait des cris, des gens qui criaient, des gens qui... Alors il savait très bien ce qu'il transmettait. Mais enfin, il était quand même très, très perplexe. Et il avait écrit d'ailleurs à Sidi Mohamed Lhlou. Tout ça, ce sont... Un jour, j'espère qu'on aura l'occasion d'écrire tout ça, toutes les histoires un peu de la voix, à travers toutes ces histoires qui sont un peu les histoires fondatrices. Un peu de... Il avait écrit à Zimam Lelo pour lui faire part de sa perplexité. Il lui a dit, dès que je communique la voix à quelqu'un, il se met à crier, ou à pleurer, ou à tourner dans tous les sens. Et son maître l'avait confirmé, il lui avait dit que c'était là des hal, des états lumineux, des états de lumière. Et qu'il fallait absolument qu'il n'ait aucune réserve, et que c'était donc par ces hal qu'elle s'opérait l'éducation du cœur, l'éducation intérieure. Et je crois que Sidi Boumdiane, bien sûr, a fait le rapprochement à ce moment-là avec ce que lui avait dit cet homme il y a bien des années auparavant, n'est-ce pas, de ce hal et de cette spécificité, de cette manifestation un petit peu particulière, parce que comme j'ai dit, à travers Sidi Boumdiane Raout, cet autre Sidi Boumdiane dont j'ai cité la Qasida tout à l'heure, l'éducation, le hal, sous une forme ou une autre, a toujours existé, puisque c'est la vie même du cœur. Et même Sidi Boumdiane Raout, dans ce chant-là, il parle même de cri. Il parle de cri, et il parle de danse extatique. Il dit que lorsque les cœurs goûtent la signification spirituelle, les corps suivent dans leur mouvement, c'est pas dans une danse, c'est pas. Donc, en réalité, on retrouve déjà tout cela, mais malgré tout, il y a une certaine spécificité. Il y a une certaine spécificité. Et alors, moi, j'ai l'impression que c'est comme une sorte de royaume des cœurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Comme Salomon, il avait eu ce royaume, n'est-ce pas? Une espèce de conquête des cœurs qui se fait par ce hal, en quelque sorte. Une sorte de transmission particulière et en même temps avec d'une façon très spécifique, d'une façon très spécifique et très particulière, dans sa forme en tout cas. Cela me fait penser que, justement, en parlant de la forme, même au Maroc,
où il y a des voix soufis, où il y a des danses extatiques et tout ça, ce type de hal est quand même quelque chose de particulier. Alors les gens essaient de comprendre, essaient de s'interroger. Est-ce que vous ne donnez pas un peu trop d'hicre? Est-ce que vous n'arrivez pas vraiment à contrôler? Est-ce qu'on ne peut pas contrôler davantage? Est-ce que peut-être l'éducation ne se fait pas comme il faut? Est-ce qu'il faudrait peut-être arriver à mieux cerner, n'est-ce pas? Ça crée un certain état de perplexité. Et je pense que c'est normal d'ailleurs. Et je pense que c'est très bien, même à plusieurs titres. À plusieurs titres, et je crois qu'il y a une éducation par le hal qui est une éducation spécifique. Parce que d'abord, ne serait-ce que par le fait que si ça éveille une perplexité, eh bien c'est tant mieux. Il n'y a rien de pire que de s'endormir même dans une pratique spirituelle. Comme d'ici de temps en temps, lorsqu'ils vont à Fakir crier ou faire une roulade, n'est-ce pas? Il dit, laissez-le nous réveiller un petit peu. Donc je crois que le fait que ça suscite une certaine perplexité, eh bien c'est tant mieux, parce que précisément, nous avons toujours besoin de constituer même un conformisme, même parfois dans les pratiques spirituelles elles-mêmes. Et là, c'est quelque chose qui nous secoue, qui nous aiguillonne en quelque sorte d'ailleurs. Ensuite, je crois qu'il faut, comme le dit Sy toujours, il dit qu'il y en a qui l'ont bu froide et d'autres l'ont bu chaude. N'est-ce pas? Alors évidemment, on n'a pas le même langage, même si chacun a sa façon de se réaliser spirituellement. Hein? Ceux qui l'ont bu froide pourraient toujours dire, oh, mais c'est un peu trop chaud, là, vous ne comprenez pas, c'est un petit peu, est-ce que c'est normal de faire comme ça? Et ceux qui l'ont bu chaud disent, oui, c'est normal. Il dit, c'est normal, tu ne peux pas faire autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, aussi, il faut se méfier. C'est pour ça que lorsqu'on lit des choses sur le soufisme, on se réfère à des choses, et qu'il est très très difficile, en réalité, de se faire une idée de ce qu'est la véritable vie spirituelle et de ce qu'est le véritable cheminement spirituel à partir de références que l'on peut avoir sur tel ou tel maître, sur telle ou telle façon de faire, sur telle ou telle voie. Parce que tout cela dépend du hidden, de l'autorisation spirituelle, divine, n'est-ce pas, du type de sirr, du secret spirituel qui est transmis et de la nature de ce secret. Et de ce breuvage, de cet influx, de tout un ensemble de choses, si bien que certains vont lire certains livres de soufisme et vont se faire une idée, comme quoi il faut rester erratique, il faut rester comme ça, il faut dire comme ça, il faut penser comme ça. Ils n'auront pas tort, mais ils ont quand même tort. Parce que c'est vrai dans un certain sens, mais c'est pas vrai dans le sens du cheminement spirituel, par exemple, qui est le leur, ou du type de l'enseignement qu'il a, et qui correspond justement à tout un ensemble de choses, et surtout à Eden, pour ne même pas dire qu'il correspond à un certain nombre de choses. À partir du moment où il correspond à Eden, c'est qu'il correspond à tout ce à quoi il doit correspondre. À la nécessité de l'évolution et des cheminements spirituels qui sont les nôtres. Donc ça, c'est très très important, et c'est pour cela que une voix vivante, quelque chose qui nous touche et qui travaille en nous, qui crée en nous ce mouvement, est quelque chose qui est au-delà de toute catégorie, de tout ce qu'on peut se représenter. Quel que soit ce qu'on peut penser savoir, au contraire, il vaut mieux dans ce domaine-là. Et non seulement il vaut mieux, mais même il est impératif de ne rien savoir. Parce que le savoir ne va faire que réduire une réalité qu'on ne connaît pas à des schémas que nous avons en tête, n'est-ce pas? Et que nous croyons être des schémas représentatifs de ce que c'est qu'une voie spirituelle. Or, plus on avance, plus on goûte, et plus on connaît à travers ce que l'on goûte, et on comprend à travers ce que l'on goûte. Comme dit Rabia al-Adawiya, la sainte soufie, celui qui goûte sait. Donc, c'est à partir de cela que on commence à comprendre tout un ensemble de finesses concernant la voix, même qu'on a pu lire, mais qu'on pensait avoir compris, mais qu'en réalité on n'avait absolument pas compris, jusqu'à ce qu'on ne lisait
vécu et compris à travers sa propre expérience, à travers son propre goût. Et là, on se dit, je croyais les avoir compris. Je pensais savoir ce que c'était. Quand il parle de ce que c'est que la sincérité, je pensais savoir ce que c'était. Maintenant, ceci dit, il faudrait aussi savoir que le hal est un moyen. C'est un véhicule. Ce n'est bien sûr pas un but. Et d'autre part, il faudrait savoir que dans une voie, même s'il y a une spécificité globale de certains types de hal qui apparaissent, il n'en reste pas moins vrai que chacun a sa propre façon d'évoluer. Et là, il faut être attentif au fait que lorsqu'on est dans une voie spirituelle, on ne se positionne pas les uns par rapport aux autres avec celui qui a le hal ou celui qui l'a pas, n'est-ce pas? Ou celui qui réagit de telle façon, ou celui qui ne réagit pas. Tout cela, c'est une façon qui serait tout à fait erronée de comprendre l'éducation spirituelle. Parce que chacun a sa propre personnalité, et chacun reçoit, à partir du moment où on est orienté, à partir du moment où on fait ce travail spirituel, à partir du moment où on se dirige vers Dieu, eh bien, on reçoit ce dont on a besoin. Ni plus ni moins. Donc, on peut le voir à travers ce qui se passe même dans la voie. Prenons le cas de, bon, je vous ai cité le cas de Sidi Boumdian qui voyait les Hajj chez ses disciples, alors que lui-même en était perplexe. Mais le cas de Sidi Hamza, il n'a, pendant tout le temps où il était faqir, il n'a jamais eu le hal extérieur. Il n'a jamais fait l'aïmara. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un hal intérieur. Et c'est un peu 1 ou 2 ans après qu'il était lui-même guide spirituel qu'un jour il s'est levé, il s'est mis à danser et à faire l'aïmara. Donc il n'est pas possible d'établir des critères pour dire ceci ou cela. Impossible d'établir des critères. Et aussi, parce comment les choses travaillent en nous et comment est-ce qu'elles doivent travailler? Peut-être qu'on gagne aussi à travers le fait qu'il ne se passe rien, mais simplement d'avoir une pratique. On gagne en sincérité, en abandon, en ne recherchant rien. N'est-ce pas? Parce que le hal lui-même peut être un peu vécu comme un bonbon. N'est-ce pas? Que l'on reçoit un petit peu. Parce que c'est vrai que ça, c'est bien le hal, d'une certaine façon. Mais on n'est pas là pour cela. Je veux dire, s'il y a beaucoup de choses qui sont bien, c'est pas pour ça qu'on fait tout. Il y a une fonction du hal. Il y a une fonction du hal ou il y a une fonction de l'absence du hal. Ce qui est important, c'est la relation à Dieu et la sincérité de cette relation. Et si on imagine quelqu'un qui a une pratique, qui médite, qui prie, qui se tourne vers Dieu, sans que pour lui il n'ait jamais rien vu ni vécu d'extraordinaire, ni sur le plan extérieur, ni sur le plan intérieur, et qu'il continue d'évoluer dans cette voie, il peut arriver à un degré de détachement et de simplicité et d'acceptation et de servitude qui peut être tout à fait extraordinaire et cristallin, de par le fait même il a appris à ne rien attendre dans cette relation de servitude. C'est une autre façon d'évoluer. Maintenant, celui qui a le hal, également, il y a un adab du hal. Il y a une façon de vivre le hal. Et là aussi, ce sont des états qui nous prennent, mais en réalité, à travers ces états, on doit voir, on doit toujours se tourner, se orienter vers le donateur, et non pas simplement le don lui-même. Ce sont des états qui doivent nous amener à nous détacher encore plus. Ce serait une erreur aussi de s'attacher au hal. On n'a pas à le refuser. On a à savoir le vivre d'une certaine façon, sans s'y attacher. Ne rien rechercher, mais ce qui vient, il faut le vivre avec un adab. Avec une reconnaissance, c'est-à-dire aller au-delà de ce qui, de la chose elle-même et voir ce à quoi elle nous envoie, c'est-à-dire à nous tourner davantage vers Dieu. Et puis, comme on le disait hier, à savoir ensuite transformer ces jets de lumière, ces états, à savoir les transformer dans notre vie de tous les jours. Passer, comme je, du tahqouq, de la réalisation, au tahluq, au comportement.
Car c'est en les transformant dans la vie de tous les jours qu'on leur donne leur pleine mesure, qu'on en fait quelque chose d'autre, qu'on concrétise en nous, réalise en nous notre attitude de servitude vis-à-vis de Dieu. Qu'on ne se contente pas de consommer en quelque sorte le hait, comme on consommerait n'importe quoi d'autre, mais que ça devient un élément d'éducation, de transformation et de servitude et de rapprochement. Donc, dans tous les cas de figure, ce n'est pas tant les manifestations, leur existence ou leur absence, ou leur forme multiple, qui importe que la relation qui s'établit à travers tout cela. Et la relation qui s'établit avec Dieu et avec l'esprit de notre recherche à travers tout ce que nous entreprenons. Et c'est dans ce sens-là que le hal devient, quand on parle de tariq al-hal, de la voie du hal, dans le sens où il devient un moyen d'éducation et un moyen de conquête des cœurs, un moyen d'établir son emprise, son royaume sur les cœurs, en quelque sorte. Même si il y a certains d'entre vous qui désirent poser des questions, aborder dire quelque chose. Tu disais avant que le hal est apparu à une certaine époque de la voie. Donc, c'est quelque chose qui entraîne une certaine complexité chez le maître à cette époque. Est-ce que c'est aussi le cas pour l'aïmara ou c'est quelque chose qui préexistait déjà dans d'autres voies soufis, l'aïmara? Non, l'aïmara a existé depuis longtemps. Justement, dans cette qasida, j'essaie de me rappeler le vers, dans cette qasida de Abou Mdian, il est très explicitement fait référence à l'aïmara, où il dit si les esprits ou les âmes se soulèvent par désir de la signification spirituelle, c'est-à-dire attirés par le sens spirituel, les corps se mettent à danser au toi qui ne comprends pas ce sens. N'est-ce pas? Donc la aïmara, c'est la danse soufie qui vient aussi un peu sous cette forme-là, et d'un seul coup, plusieurs personnes se lèvent et se mettent à danser, n'est-ce pas? Des chants qui parlent justement de ce voyage du cœur, de ce voyage de l'âme vers Dieu. Mais elle a pris des formes diverses, et en tout cas dans cette voie, justement à cause de cette spécificité du hal, c'est ce qu'on appelle une aïmara spontanée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas provoquée d'une certaine façon. C'est-à-dire que, en général, c'est dans la plupart des voies, on se lève et on danse, et cette danse fait entrer en transe. Il y a tout un ensemble d'invocations et tout un ensemble de choses qui, de préparatives en quelque sorte. Et puis ensuite, arrivé à un certain rythme donné, les gens se mettent à se lever, parfois même se tiennent par la main. Et puis, il y a une respiration et à ce moment-là, c'est pas Allah hay, Allah hay, Allah hay, on rentre dans une transe donnée. Dans cette voie-là, il y a aussi un contexte, puisque par exemple, lorsqu'on passe une soirée, on va faire du dhikr, on va faire des chants, et puis la aïmara vient ou ne vient pas. Et quelquefois, elle vient alors que rien n'est préparé. Quelquefois, je pense qu'on a pu en faire l'expérience quelquefois, mais quelquefois, on est auprès de même. Au Maroc, on est auprès du maître, on parle de tout à fait autre chose. Et d'un seul coup, je ne sais pas ce qui se dit, ou ce qui s'est dit, ou ce qui s'est pas dit, mais d'un seul coup, 5-6 personnes se mettent en train de danser. Alors là, hop, ça crée cet état d'extase. Donc, cette forme-là, oui, peut-être que ça reste un peu spécifique, bien que dans beaucoup de récits soufis, même les tout premiers récits de Doun el-Mousri, Ibrahim el-Adham et toutes ces personnalités-là, souvent, on nous dit, il était en train de parler avec tel, ou même quelqu'un qui jouait du luth, il a dit tel vers, et la personne est tombée en extase. Et le maître est tombé en extase, ou il est tombé par terre, n'est-ce pas, parti dans un autre monde, et ainsi de suite, par une parole qui s'est dite, par simplement une allusion. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut en avoir aussi un exemple à travers ce qu'on nous rapporte de Jalaluddin Rumi, n'est-ce pas, hein, qui
qui allait dans les souks et avec ses disciples et qui entendait une parole, alors parfois qui n'avait rien à voir, en toute apparence en tout cas, avec la spiritualité, mais que lui comprenait sur un autre plan et il se mettait à danser. N'est-ce pas? C'est ce qui a été le départ au départ spontané de ce qui est devenu ensuite la danse des derviches tourneurs, n'est-ce pas? Qui a été ensuite institué d'une façon beaucoup plus formalisée, mais il se mettait à danser, n'est-ce pas, à tourner sur lui-même et à danser par une parole qu'il avait entendue, parce qu'il était pris par le hal, il était pris par l'état spirituel. Donc, al-ma'u wahidun al-azhar mukhtalifa, l'eau est une et les fleurs sont multiples. L'eau, c'est l'eau du sir, c'est l'eau du secret spirituel, et les fleurs, c'est les états. Les états, chacun a sa façon de cheminer vers Dieu, chacun a sa façon de vivre, et chacun reçoit ce dont il a besoin. Donc, en définitive, si au niveau du vécu, chacun a son vécu, chacun vit ce qu'il a à vivre et a son vécu. C'est pour ça qu'on dit que la haqiqa, c'est quelque chose qui appartient à chacun. Il reste la sharia, c'est-à-dire ce qui appartient à tous. La sharia, c'est-à-dire ce que nous partageons. Et donc, finalement, ce qui importe, c'est pas ce que bien sûr, c'est important pour chacun, et c'est assez important pour soi, et c'est même très important. Chacun vit un certain nombre de choses, mais ce qui importe dans notre vie en groupe et en communauté, c'est notre relation à l'autre. C'est ce qu'on fait de ce que l'on vit. C'est cela qui est la façon de monnayer finalement ce que l'on vit et de le partager. Ça devient une valeur d'échange. C'est ça qui se passe de l'un à l'autre. C'est pas important que moi, je viens de vous dire, vous savez, je viens d'avoir une illumination, je suis monté au 7e ciel, et j'ai vu telle chose. Puis bon, c'est très bien, et après. C'est très bien, ça dépend de ce que j'en fais. Si tout ce que j'arrive à en faire, c'est en faire une espèce de vanité, je peux avoir toutes les expériences du monde, ça ne sert à rien. Puisqu'en définitive, je finis toujours par les transformer en autre chose que ce qu'elles sont. Mais si j'ai des expériences qui m'amènent à plus de compréhension, à plus d'humilité, à plus de vérité, à plus d'amour, à plus de considération, à plus de respect pour les autres, oui, là, je crois que ça peut avoir un sens. Et c'est ce sens-là de l'éducation spirituelle. Elle est mal, c'est quelque chose qui touche au cœur. Pourquoi est-ce que tu es assis d'un seul coup, tu te lèves? C'est-à-dire qu'il y a un moment, quelque chose qui a touché. D'ailleurs, que ce soit visible ou simplement ressenti. Il y a un moment où on se sent happé, aspiré, hors de nous-mêmes. Mais puis il y a une prédisposition et une exposition à la parole et de l'exposition aux haleines, n'est-ce pas, divines. Le fait de s'exposer, la MRA, comme les moments où on fait du dik, comme les moments où il y a des situations où on expose notre cœur à quelque chose qui peut venir. Parce que dès lors qu'il y a des personnes qui se réunissent pour prier comme ça, pour invoquer, et qu'il y a un sir, il y a un secret dans tout cela, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui se passe, qui est bien au-delà de ce qu'on peut en percevoir extérieurement. Il se passe beaucoup de choses. Et c'est là où je crois que, encore une fois, en fonction, il y a des personnes qui ont par exemple des prédispositions toutes particulières à voir certaines choses, à les visualiser. Et d'autres qui ne visualisent pas, qui les vivent sur le sens, sur ce qu'ils ressentent. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est encore une fois l'éducation spirituelle, la sincérité de la recherche, et qu'est-ce qu'on fait de tous ces états. Et c'est ça le sens de l'éducation, parce que finalement, une voie spirituelle n'est pas une voie de la recherche du phénoménologique, n'est pas la recherche de choses extraordinaires.
La seule chose qui soit extraordinaire, c'est de, comme le dit Ibn Athaillah dans ses Hikmah, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas de faire un pas et de retrouver la Mecque, comme certains miracles, n'est-ce pas? Justement, on parlait de Sidi Mohamed El-Hlou, c'était quelqu'un qui avait ce type de situation, qui se transportait. Bon, ça peut paraître dans un monde où cette vie des saints peut paraître un peu une sorte de légende dorée. Il y a en réalité, comme le dit Ibn Arabi, beaucoup de choses extraordinaires qui arrivent à certaines catégories de saints. Mais toujours est-il que c'est Ibn Attal, il a dit, ce qui est important, ce qui est extraordinaire, c'est pas que tu fasses un pas, que tu te retrouves à la Mecque, mais ce que tu arrives à contracter le chemin qui te sépare de Dieu. C'est cela le véritable sens et le véritable but. C'est celui de parvenir à cette éducation spirituelle qui nous rapproche de Dieu et qui nous rapproche du sens de la oubudiya, de la servitude, qui est la véritable liberté. Enfin, qui est la véritable liberté, qui est la liberté la plus totale que l'être puisse connaître, puisse vivre, qui est la liberté divine. Parce que finalement, les choses extraordinaires, ou les prodiges, ou miraculeuses, comme le disait Soufi, il y a plusieurs formes de miracles, les miracles intérieurs et les miracles extérieurs. Les miracles intérieurs, c'est ces ruptures, un peu des habitudes mentales. Comme les miracles extérieurs, ce sont des ruptures, des habitudes naturelles. Parce qu'en définitive, les lois de la nature ne sont que les règles, les habitudes que Dieu y a mis, n'est-ce pas? Sunnat Allah, n'est-ce pas? Ce qu'il a créé comme loi, mais d'un seul coup, il peut y avoir rupture, en quelque sorte, de ces règles. Eh bien, comme il y a des règles, des conditionnements intérieurs qui rentrent dans des ruptures. Mais le but, c'est pas la rupture pour elle-même, le but sur la signification qu'elle peut avoir par rapport à nous, c'est-à-dire vers quoi elle doit nous conduire. Donc, encore une fois, comme je le disais d'ailleurs, que celui qui n'a pas le hal ne se dise pas pourquoi j'ai pas le hal, parce que ce serait comme celui qui a le hal qui dit je m'attache à mon hal. C'est la même chose. Pas. Ce sont deux situations qui font qu'on prend le hal pour ce qui n'est pas, hein, et que ce qui est important, c'est la relation à Dieu, et c'est cela qui est fondamental. Ce n'est pas le reste, ce n'est pas les états, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Et puis le jour où, pour une raison ou une autre, on doit vivre autre chose, on le vivra, mais on se vivra toujours dans cet état d'esprit. On sera préparé à le vivre. J'ai eu l'occasion parfois de vous raconter l'histoire de Sidi Hajj Abbas, qui lui, le père de Sid, qui était lui-même un disciple du même maître que Sid, et qui lui, pendant très longtemps, a cherché un maître spirituel, il ne l'avait pas trouvé non plus, et il avait rencontré un Oujda Mejdoub, un extasié, c'est la seule personne qu'il avait trouvé, quoi. En général, les soufis disent qu'il vaut mieux éviter les mejdoubes, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils peuvent nous dire, ni vers quoi ils peuvent nous conduire. Mais, il se trouvait que bon, il n'y avait vraiment personne à qui parler. Et il avait osé parler avec ce mejdoub qui créait une espèce de distance, il inspirait une espèce de crainte. Et finalement, ce Mujdoub lui a dit, reviens chez toi, ne cherche plus personne, ni maître, ni personne. Il lui a dit, reste chez toi, et le maître que tu cherches viendra taper à ta porte. Et ça suffit. Ces paroles-là se sont imprimées dans le cœur de Sajjad. Il était sûr que c'était des paroles vraies. Et il est rentré chez lui, et il a attendu pendant 35 ans. Pendant 35 ans, il se disait chaque jour, c'est peut-être aujourd'hui que le maître viendra frapper à la porte. Et d'une certaine façon, on pourrait se dire que pour 35 ans, je veux dire, ça aurait pu se passer plus tôt, tu vois, il aura gagné du temps.
Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que pendant ces 35 ans, loin de perdre son temps, il avait acquis l'attitude, il avait fait un travail d'attente, un travail de détachement, un travail de préparation. Vous imaginez pendant 35 ans d'attendre, de se dire chaque jour, ça va être aujourd'hui, et de ne pas perdre confiance. De ne pas se dire, mais après tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout? N'est-ce pas, je vais faire autre chose, ainsi de suite. Et d'attente, et de cœur orienté, et ce que ça va faire grandir dans le cœur comme considération de ce qu'il va recevoir. Parce que c'est ça qui est important. C'est dans ce sens-là que Jésus ne disait pas de perles aux pourceaux. C'est-à-dire, ça signifie quoi? Ça veut dire que les perles n'ont de sens que lorsqu'on en connaît la valeur. Il faut être préparé à recevoir quelque chose. Parce que même, vous savez, c'est pour ça que je dis l'éducation est très multiple et multiforme. Tout est vrai et tout n'est pas vrai, tout dépend dans quelle situation on se trouve. Par exemple, chez les soufis, il est préférable de ne pas avoir l'ouverture trop tôt, l'ouverture spirituelle, véritable, trop tôt. D'ailleurs, ils disent qu'il est préférable de l'avoir à l'extrême fin de sa vie. Nous avons parlé du hal, nous avons parlé d'un certain nombre de choses, mais quand on est dans une voie spirituelle vivante, il y a on est conduit vers l'ouverture spirituelle. Et je dirais même qu'on considère que cette ouverture doit se produire à partir du moment où il y a, parce que le germe de cette ouverture est déjà là. Il y a ce rattachement parce que l'ouverture et cette possibilité d'ouverture, elle est à la fois en chacun de nous, mais elle est dans le guide vivant, n'est-ce pas, qui nous guide vers elle. Et elle doit se produire d'une façon ou d'une autre. Le soufi le disait toujours, il dit, celui qui a reçu l'initiation, le fait lui a été destiné. Et ce fait, c'est cette ouverture spirituelle, c'est-à-dire que toutes les limites de l'ego s'estompent et on se retrouve vraiment dans l'océan de la lumière divine et avec beaucoup de conséquences possibles, tant sur le plan des visions, des contemplations, des sorties de toutes les limitations de l'espace-temps, de la contemplation des réalités divines, des réalités spirituelles, des réalités prophétiques, de toutes ces choses dont on n'entend que parler, mais qui deviennent réalité, qui deviennent vision, qui deviennent expérience directe. C'est l'état en réalité du guide spirituel qui est dans cet état en permanence. Mais en même temps, il a cette faculté de nous parler, n'est-ce pas, des choses les plus banales, les plus triviales. Et c'est cela la véritable réalisation. C'est à la fois être dans cet état-là et à la fois être revenu dans cet état de servitude et laisser aussi à Dieu le seul pouvoir, n'est-ce pas? Mais lui-même est un instrument de ce pouvoir. Et donc, cet état-là, il peut venir à différentes phases. Par exemple, Ibn Arabi parle qu'il a eu l'ouverture à l'âge de 16 ans. Donc il l'a eu. D'ailleurs, c'est pour ça, ce qui explique qu'il ait fait beaucoup de choses, qu'il ait écrit beaucoup de choses, qu'il ait parlé de tellement de choses, n'est-ce pas, qui sont si difficiles même à concevoir ou à imaginer, parce que depuis le début de sa vie, il a vécu cela. Mais simplement, par protection divine, par tout un ensemble de choses, il l'a intégré. Il est intégré. Or, ceux qui pourraient avoir, en quelque sorte, une ouverture comme cela, sans qu'ils aient eu auparavant l'éducation nécessaire pour vivre cet état-là, pourraient tout à fait se glisser, perdre leur équilibre. Et ce qui, au départ, quelque chose de très lumineux, peut devenir un instrument de pouvoir, peut devenir quelque chose d'extrêmement négatif. Bon, en général, quand on est dans une voie spirituelle, on est protégé. On est protégé, mais il faut savoir avoir le adab, c'est-à-dire la politesse qu'il se doit pour vivre cela. Il ne faut pas manquer de politesse. Et je vais vous en donner un exemple justement à travers cette histoire de Sidi Hajj Abbas.
que je vais vous citer tout de suite, c'est que pendant 35 ans, il a attendu, et pendant 35 ans, s'est constitué chez lui l'esprit du disciple, du adab, de la politesse nécessaire, de la considération à avoir par rapport à toutes ces choses. Pendant 35 ans, il a su se détacher et revenir à un état de réelle humilité, de véritable servitude. Et quand, après 35 ans, effectivement, Sidi Boumediene est venu frapper à sa porte, à travers une histoire parallèle que je ne vous raconte pas là, mais il s'est trouvé tout un ensemble de choses, notamment d'un fakir de Sidi Boumediene qui avait vu Sidi Hamza, enfin, qui, après, bon, il y a tout un ensemble des choses qui se sont passées, et il se trouvait que Sidi Boumediene est venu avec quelques-uns de ses disciples et il a frappé à la porte de Sidi Hajapes. Il leur a ouvert et il les a fait entrer, bien sûr. Il leur a dit que ça faisait 35 ans qu'ils les attendaient. Et il leur a dit de. Quand Sidi Boumediene a écrit le dhikr sur une ardoise qu'il allait remettre à Sidi Hajj Abbas, qui est la salle al-Mashishiyah, un dhikr dont je vous parlais hier, il l'avait écrit et le soir il est allé en retraite pour le lire et pour faire ce dhikr, cette invocation. Et j'ai eu l'occasion de vous raconter que ce soir-là, il a eu une contemplation à l'état de veille où il a vu une très grosse boule de lumière qui se rapprochait et qui s'est transformée en figure humaine et qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est rentré, a-t-il dit, en contact avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au point où il avait l'impression qu'il avait été incendié de lumière tellement il était proche de lui. Et ça a duré quelques heures comme ça, et il a eu tout un échange avec lui. Donc c'est comme une espèce de début du fait. N'est-ce pas? Le début du fait. Et lorsque le lendemain il était avec son maître, il y avait Sidi Hamza qui était encore jeune, qui avait 19 ans, qui n'était pas encore dans la voie. Et le maître il lui dit, alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial? Qu'est-ce que tu as vécu hier et tout ça? Alors, Sidi Hamza nous raconte, il dit, mon père faisait comme ça en me montrant moi, il me disait, il y a comme un étranger, même si j'étais son fils. Je veux dire, c'est peut-être pas un adab, c'est peut-être pas une politesse que de parler, n'est-ce pas, de ces choses-là, même devant mon fils. Alors, le maître, il a regardé, il lui dit, non, tu peux parler, Sidi Hamza est des nôtres. Alors, il s'est mis à lui raconter cette histoire. Et Sidi Hamza disait, moi, je le regardais avec un air effaré, mais je disais, mais est-ce qu'ils ont perdu la tête? Ou quoi? Le prophète est mort il y a 14 siècles. Hein, et puis il dit qu'il a rencontré hier, qu'il lui a parlé, qu'il lui a dit ceci, qu'il lui a dit cela. Sidi Hamza à l'époque n'était absolument pas dans, il était dans cette, il comprenait pas, il ne concevait pas encore qu'il y avait ce type d'expérience possible. Surtout qu'il lui parlait comme s'il l'avait vraiment passé toute la nuit à parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, donc, il lui dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le prophète, il lui a dit, le prophète m'a donné un dhikr à faire. Il m'a remis tout un ensemble d'invocations. Il lui a dit, est-ce que tu les as fait? Il lui dit non. Il lui dit pourquoi? Il lui dit, écoutez, Sidi, ça fait 35 ans que j'attends un maître. Pendant 35 ans, j'ai prié, j'ai médité, j'ai pas vu une seule fourmi, n'est-ce pas, en contemplation. Hein, le premier soir où je vous rencontre, je vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit la moindre des choses, ce que j'attends, que je reçoive une indication de votre part pour savoir ce que je dois faire. N'est-ce pas? Et nous avons là l'exacte mesure de cette politesse du fait. C'est là une des subtilités de la politesse. Parce qu'en fin de compte, la politesse est d'autant plus subtile qu'on arrive à des degrés d'autant plus haut que la subtilité de la politesse devient d'autant plus grande. Et là, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait manqué de cette politesse va se dire, ah ben maintenant j'ai plus besoin de personne. Ce que ferait un disciple qui n'est pas préparé, qui n'a pas cette politesse, qui ne comprend pas ce que c'est qu'une relation avec un guide spirituel.
Je ne comprends pas que cette relation avec le guide existe, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, n'est-ce pas, on donne le idn, l'autorisation, et qui donc, dès lors qu'il va avoir une expérience comme ça, va se dire, mais moi je suis arrivé à la sainteté parfaite, hein, même le maître devant moi n'est rien du tout. N'est-ce pas? Il ne verra que le maître que comme quelque chose d'extérieur, que comme quelque chose. Et il va tout de suite, peut-être, s'il n'a pas cette éducation, justement, s'il n'a pas cet affinement de la compréhension spirituelle qui accompagne l'expérience, n'est-ce pas? Il risque de tomber dans ce type d'erreur. Et donc, on voit comment est-ce qu'il a été préparé, en quelque sorte, à avoir une expérience comme ça, et avoir l'éducation et le adab concomitant. Mais en même temps, moi, quand j'entends cette histoire, je me dis, j'espère que ça n'arrivera pas comme ça aussi facilement, parce qu'on peut tomber dans le panneau aussi facilement. Mais il y a, en quelque sorte, une sorte d'accompagnement, de protection divine. C'est-à-dire que quand on donne une expérience à quelqu'un, on lui donne la possibilité, on le prépare. Et c'est ça, le sens de l'éducation spirituelle. On le prépare à pouvoir la vivre et à pouvoir l'intégrer. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que la même expérience, arrivée chez beaucoup d'autres personnes, ben, il va se dire, le prophète m'a donné un dit que je fais et je vais avoir le problème. N'est-ce pas? Et parce qu'on n'aura pas été préparé à comprendre. À comprendre que même si ça paraît naturel d'un point de vue extérieur, il y a un manque de politesse, il y a une prétention et un orgueil très caché, très subtil, qui est dans cette façon de faire. Même si extérieurement, ça paraît quelque chose de normal et de naturel. Donc, ce sont ces subtilités-là que l'éducation spirituelle nous permet d'avoir. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه جلالك وعينهم جمالك فاصبع فرح من المسورة وعلى آله وصحبه وسلم سليما والحمد لله على ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.